wana bino tozo kosenga na mama Mart na famille Tshisekedi oyo bavandisa kideo na kabuya oyo apesa bako conseil ke bavande sika moko même na parti na Kimia tango président azoya akozwa décision bakomisa mapango oyo na supa po jusqu'à là tozo comprendre te président asi aye sikoyo eloko nyonso ozanga po président lo eloko nyonso ozanga kabuya oza mutuma kasi po président solo beloko te. Je voudrais demander à la présidence du Sénat
Yango wana bino toto ko senga na mama Mars na famille Tshisekedi oyo bavandisa ki deo na kabuya po apesa bango conseil ke bavande sika moko même ma parti na kimia tangu président zo ya akozwa décision ba komisa makambo yo na suka po jusque là toto comprendre te président si ayé siko eloko ni zozanga po président loba eloko ni zozanga kabuya zo mutuma kasi po président solo beloko te Baye bisabiso dou, eza deo ou bien eza kabouya. Soka eza kabouya, zo tike liye permanence. Patez ba travaye na president, ba zaka yayi de pesite. Donc luka a parti, moussou to rekonde ro kota. Pote ro travaye na kabouya, te. Kabouya bomi parti. Tango ba kombatan ba zoloba, ba zoloba. Bino bo liyuko yo kate, sere bo zan la posa ya batoute. Po, bo si bo komi na pouvoir. Alors bo luka, solution. Biso zo lingi parti na biso mingi, pote ye bindenge zo tambola ki na le père. Kasi siko eto komo mwana nema ka mususu bo luka bo zwa solution na makambu oyo po biso to ba kombata alors soki makile tangi ndebino bo yako loba po makile ta ela biso soki makile tangi ndebino bo yako loba a to loba na kande to bonde la mutute to na posa ya solution pe sa mapo o kabuya o sala o sala na mutuma kasi po president zo lobelo ko mokote mama si luka moyen o yebisa Mokonzi azo a solution na makambu oyo nde loko tozana ngwa ko luba yango wana. Parti biso tonga to kende le 7 kotika de obizibu ndenge CDP et police secrétaire général Sika. Meme yo lobi na biso no motika makile tangi mingi na IDP toze la chef de l'état to patienta ki tozeli ti le toze to moni réaction mon côté. Lobi to kenda ki cimetière. Lelo to ye po to kota na mes to tambela po la bawo ba kenda batika biso Tokuti kabuya lunyeka azui a corrompre awa tokotate mais kabuya je te demande où passera ton éternité ozo nyoko la ba congolais ozo nyoko la bana ya IDPS o ba nyoko ama o ba kufa la permanence bande ko na bango nde to lelo to ki to sambela yo kangi makambo église kabuya kaka lelo nzambo ba mama ba leli awa na ebisio kabuya ko lukate biso ba mama to chipa yo er yango yo Tolobi na yo, longwa na parti, de yo bizibu ou rien. Mama matika salouet, meme, oza mama ya batu nyoso, nengo boti chef de l'état, nengo boti miso bana na yo. Meme luka solution kaka, lelo, so kite y aura de pire. Je dis et je vous remercie. Yango tolobi boye, tozo la nande oyo secrétaire général Oyo parti zo reconnaître. Oyo parti zo reconnaître za na kombo ya BCD au visible. Biso base pour des avoitiers et puis ba fédération nyonso ya kati ya mboka na biso ba des avoitiers. Ba nationaux ba ba sala kana musala isika moko bango nyonso ba des avoitiers. Alors atikali na nani? CDP oyo de situati kabund. Oyo kote sa kiye. Ne de CDP moko moko wana. Et de situer payé et qu'on installe au moussous. Et la n'indenge base le bâti. Bon, tozo ka moi, mouto azo n'a pas de cicaté. Azo luka nini. Azo luka makila li sous ya combattant et tanga ou comment. Yango tozo senga awa ke tozo tozana toze la. Je crois il reste 20 minutes. Ce qui va trouver solution te. Bisson nous tokit dans la permanence à UDP. Mais motuna su des ali boye. Dernièrement tout monde qui monsieur Kapiana CGP. Merci beaucoup à tous les peuples congolais. Toza liboso ya ba caméra, liboso ba etando ike na bino. On a koyé bisabino toujours en tant que ba communicateur ya UDP parti au pouvoir. Oyo toza li soupe mato ya peuple congolais, toza li kotala ni nezo leka. Na kanisi bo komona awa esika tozali ezali centenaire cathédrale ya protestant esika ba konzi ya CDP ba yebaki na kobongisa pour que to sala messe oyo ezali ko commémorer ba mort na biso ba victime na biso oyo ba tomba à cause ya combat ya IDPS na kati ya dictature ya Kabila Mais lelo awa biso ya kokamwa ezali peuple congolais toza ko situka ke même ba église comme na politique
toza komi tuna mbongo combien ba pesi ou bien kabuya a pesi pour que aya ko bloquer église et ça le matin. Cela veut dire que pona ngai selon biso banaliste politique toza ko sala lecture ya temps tozo mona ke kabuya a koma le tout puissant. Or na kati ya idéologie ya IDPS selon les sphinx délimité ndenge ateya biso na kati ya idéologie na ye pouvoir ya IDPS ezali pyramide renversée. Qu'est-ce que je veux dire par là? La pyramide renversée veut tout simplement supplier que le pouvoir est entre les mains du peuple. Donc, mutu moko akoki ko se fabriquer na kati ya IDPS akoma makasi koleka base. C'est la base qui prend des décisions. Yakoboya to kondima. Or, nakati ya IDPS, to remarqué loko moko. Auguste Kabuya, l'ex-secrétaire général. Oyo bapesa ki est parti pour que akamba. Aza antivaler a munene. Ayebi musala mokote. Ayebi kaka kokangisa ba combattants. Ayebi kaka komoneye ba poste. Ayebi kaka kopesa batu ya PPRD. Batu oto bundaki na bango lobby. Azo zongise la bango lisusu pouvoir. Wana tokomi komona ngo eza bricolage ya ko dribler biso parce que na 2028 toza na posa ko conserver pouvoir le plus longtemps possible. Pourquoi ko préserver pouvoir? Toza komona na ba pouvoir du passé. Mobutu asala 32 ans. So totali Kabila plus de 18 ans. Et tomi tunaka pourquoi il a mérité tout ça? Et pourtant tomona place mabundate. Et l'IDPS qui a fait 37 ans d'élite, cela veut dire que l'IDPS mérite mieux, mérite même 50 ans au pouvoir, même 70 ans. Pourquoi pas remise na reprise na Jésus-Christ? Alors, les lots ont très mécontents. Ils ont posé question directement à qui de droit, Mokonzi Mboka, parce que c'est notre autorité de référence. C'est bien lui. Ils ont tout naïe question. Kabuya asomba IDPS ou bien bakabela ye parce que tozo yo kabazo benga ye mon abouté du chef. Qu'est-ce que signifie mon abouté du chef? Enfant unique. Est-ce que vraiment bino ba peuple congolais bisonyo soto réfléchir? Ce qui est dépendant qui na Kabuya. Est-ce que chef de l'État alinga ki azale si kazale lo? Point d'interrogation. Mais je pense que le pouvoir dépend de la base où est Salaki élection où est commissaire Mukonzi Mboka place à ça. Qu'on ne se voile pas la face. Et puis makamba ko bangeza li souté, ce n'est plus un secret de dire que le chef de l'État tozo mona ye que aza impliqué na kati ya complicité ya Kabuya pour nous montrer que l'IDPS est devenu un parti familial. Donc, biso ba base to kanga munoko. Biso base to kolo ba lisusu te. Or, biso tozo bundela le peuple d'abord. Toza na posa peuple congolais azala bien, azala kimia, économie ezala stable, devise ezala ekita, marché biloko ekita, ba expatrié, ba koma kofuta ba congolais, selon ndenge bazo utiliser bango ba futa bango bien. Combat na biso ezala ko continuer parce que tozo mona makambo zo simbate. Pour preuve, na Kabuya ye moko lunyeka, aza koloba na kati ya ba matiné raté na ye, aza koloba ke ye, signature na ende bimisi ba député. Et puis, ce qui Mukonzi Mboka aza wana, c'est parce que ye ende apesa ye majorité parlementaire. Mais ça, c'est rêver debout. C'est rêver debout. Et puis, c'est tromper le peuple congolais. Alors, biso toboye, biso base toboye, toboye te attaque individu. Toboy système ya Auguste Kabuya toza na posa mutu mususu azwa yango biso tokei to saligner derrière vision ya deo bizibu balola en tant que secrétaire général o toza na posa ko travailler na ye parce qu'aza na vision ya bien aza na ba idée ya bien ya ko créer ba entreprise pona ba jeune bazwa misala ya ko bongisa IDPS ezonga parti comme si ezalaka depuis kala
L'IDP, c'était une machine politique. Mais le lot IDP s'affaiblit par Augustin Kabuya. L'IDP, le lot est comme tout ça obique. Pour avoir du travail, il faut tout ça Kabuya na éviter. On comme à moi si naïe, tout on comme à Nini naïe, pour que après son moussala, il faut chanter pour lui toute la journée, il faut danser pour lui. A comme ici, ba combattant, ba danseur. Yango, mon Jean Goubal, que je salue en passant, il a bien dit que l'IDP qui est alimenté aujourd'hui, s'appelle l'IDP Ndombolo. Monsieur le journaliste, une chose inconcevable. Tokon Dimangote, l'IDP ne peut jamais s'appeler l'IDP Ndombolo. Parce que nous, on ne nous a pas appris à chanter ni à danser pour les gens. Alors, Kabuya, bisoto sengi de parnaye. Tolobi le sous Kabuya, dégage. Kabuya, dégage. Kabuya, dégage. Merci beaucoup, peuple congolais. Les églises par M. Augustin Kabuya. Dounyeka. Et cette manière de faire est en train de friser la chronique politique actuelle. Nous avions et nous nous sommes battus pour un état de droit. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que M. Kabuya est en train de piétiner sur la mémoire d'Étienne Tshisekedi wa Mulongo. Dozali Kosenga na ba combattant nyoso. Moral na bango ezala kaka likolo. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les revendications que nous sommes en train de lancer aujourd'hui ne sont pas, n'appartiennent pas aux nationaux. C'est la base qui a commencé à revendiquer en constatant la mauvaise gestion de Kabuya. Au lieu de se repentir, il continue, il persiste dans le mal. C'est comme ça que nous disons aujourd'hui que nous sommes décidés à faire la descente à la permanence et commémorer nos martyrs. Puisque nous sommes en train de constater une injustice dans le traitement envers le combattant. Est-ce que ce que les combattants ont reproché à M. Kabuya Lunyeka, c'est faux ou c'est vrai? Il n'y a même pas une commission mise sur place pour révéler que effectivement la base avait raison ou pas. Et c'est comme ça que la base étant les piliers de l'UDPS, Tshisekedi, s'est décidé aujourd'hui. Si rien n'est fait ici à l'église, qui nous constatons déjà politisé, nous allons faire notre descente à la permanence et nous allons commémorer. Oekoya Eya. Quel sentiment avez-vous peut-être qu'on vous empêche de pouvoir honorer les mémoires, la mémoire de ceux qui ont combattu pour que vous puissiez accéder au pouvoir? Mais vous allez comprendre que c'est depuis 5 ans. Kabuya n'a jamais organisé une manifestation à l'honneur de nos combattants calcinés dans la permanence. Il n'a jamais effectué une descente au cimetière. Il ne s'est jamais souvenu de leur famille. Aujourd'hui, leur famille souffre. Des familles qui sont restées pauvres, sans aucun souvenir, et pourtant des êtres humains, des vrais combattants, des vaillants combattants se sont sacrifiés ces jours-là pour passer leur nuit à la permanence afin de sécuriser ces monuments communs. Mais Kabuya, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les balivernes. Il se contente à réunir les patrons qui ont l'argent. Aujourd'hui, vous allez évaluer la gestion de Kabuya envers le combattant. Si ceux-là qui sont morts sont oubliés, à combien plus forte raison nous qui sommes encore en vie, délaissés par M. Kabuya. Il est en train de vendre le parti. Il est en train de tuer le parti à petit feu. Comment voulez-vous que les mêmes personnes que nous avions reprochées, que nos vaillants combattants, victimes de la barbarie de la Kabylie, qu'ils ont reproché à la Kabylie d'être des dictateurs, de mal gérer les pays, des exactions. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes que Kabuya va chercher pour le remettre dans le système Tshisekedi. Il est en train de tuer à petit feu le parti. Et ça,
ça présage un mauvais avenir pour notre régime, pas seulement notre régime, pas seulement le parti, mais pour tout combattant qui se sacrifie hier, aujourd'hui et demain. C'est un danger pour nous. Quel message lancez-vous à ceux qui ont pris au combat de l'IDPS, particulièrement au combat du Sphinx et l'Unité, qui commencent un peu à désespérer du fait qu'au sein de l'IDPS, il y a des unions, il y a des guéguerres, il y a tout ce que vous connaissez en train de voir ici? Fort malheureusement, nous, on ne le souhaitait pas arriver à ce niveau-là. Notre souci était évaluer la gestion, la mauvaise gestion d'Augustin Kabuya, organiser une passation pacifique et un départ apaisé de M. Kabuya. Mais hélas, nous avions constaté que le monsieur est têtu, rempli d'antivaleurs, et la honte qui pullule dans son esprit lui pousse à avoir l'arrogance de ne pas quitter bonnement la tête de l'UDPS. Et c'est dommage vraiment, mais nous disons que aux combattants et combattantes, ne désespérez pas. Vous avez lutté pendant 37 ans, vous avez tenu devant toute forme de dictature. Ce n'est pas Augustin Kabuya aujourd'hui qui peut vous affaiblir avec ses grimaces. Des grimaces qui ne reposent sur aucun soubassement. Donc tout combattant doit tenir bon. Ne vous fatiguez pas. Kabuya n'est que l'ombre de la Kabylie. Le lendemain, il est déjà conjugué au passé. C'est justement cette petite arrogance. Nous allons garantir à la famille Tshisekedi ceci. Parce que l'UDPS ne peut pas marcher sans ce nom-là, Tshisekedi. Et Tshisekedi, ce nom de Tshisekedi ne peut pas marcher sans l'UDPS. Les deux sont soudés, collés, scotchés sur des idéologies, des valeurs. La famille Tshisekedi doit nous faire confiance. Aujourd'hui, si elle peut se promener en République démocratique du Congo, avec toute fierté, c'est grâce à ces combattants ici, ces combattants inconnus, ces combattants de la rue, ces combattants qui se retrouvent aujourd'hui au cimetière, ces combattants blessés par balles, blessés par torture. C'est grâce à ces combattants-là. Faites confiance aux combattants. Vous investissez votre confiance en un individu Kabuya, sachez que vous vous mettez en insécurité le lendemain. Renouvelez-nous, nous la base, la confiance. Nous allons vous sécuriser, vous, famille Tshisekedi. Faites-nous confiance, que ce soit la famille Tshisekedi, que ce soit la famille de maman Denise Nyakeru. Faites-nous confiance. La base a déjà décidé, Kabuya ne nous gère pas bien. Kabuya nous imprime la marque de la Kabylie. Kabuya va nous recruter les katumbistes. Et il fait semblant de les attaquer la journée, alors que la nuit, il coopère avec. Donc, votre sécurité dépend de la base. À notre hiérarchie, les nationaux, cette lutte des revendications a commencé avec la base. Constatant qu'il y a eu beaucoup de mépris, de déviations, et la base s'est tenue debout. Vous, les nationaux, vous nous avez suivis, nous, la base. Aujourd'hui, nous avions dit...